Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Je n'ai pas fait la vidéo hier, tout simplement parce que j'ai eu un accrochage sans gravité, ne vous inquiétez pas. Donc du coup la vidéo sort aujourd'hui même. Voilà, donc j'ai avancé hors cam du coup, j'ai rénové l'extérieur de la maison. Donc j'ai foutu les fameux lampadaires hein, qui marchent. Et voilà le résultat, voilà un résultat qui me paraît totalement bien. Ah oui, on peut voir aussi que j'ai fait l'intérieur de la maison. Donc ça, on ira voir ça tout à l'heure. J'ai pas encore coupé l'herbe parce que j'ai pas l'outillage nécessaire. Comme on peut voir, là, c'est encore verrouillé ici et ici. Voilà. Donc on va rentrer à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Et voilà l'intérieur de la maison. J'ai rajouté un petit porte-manteau. J'ai changé carrément les placards, donc là on peut voir, bon si j'ouvre il n'y a rien, mais là par exemple il y a du riz, voilà, ici on va voir encore du riz et des boîtes de conserve, j'ai pas du tout tourné dans le bon sens, là on va voir les assiettes et les verres, donc ce qui est plutôt pas mal, hop, ouais bon, voilà, j'ai spoilé, je voulais pas vous montrer la salle de bain d'abord, voilà, donc la salle de bain, on a la petite lumière là qui s'allume du miroir, c'est super bien, j'ai changé les interrupteurs, j'ai refait, vous voyez, la salle de bain, j'ai mis une ampoule. J'ai installé la baignoire et du coup j'ai la fameuse plaque de cuisson. Et voilà le travail. Voilà le travail. Voilà, donc j'ai changé mon petit bureau. J'ai rajouté quelques petites lampes histoire de faire une petite lumière d'ambiance. J'ai rajouté des stores, des petites des jardinières on va dire sur les fenêtres. Donc ce qui rend plutôt pas mal l'ensemble de la petite maison. Voilà, j'ai mis un petit livre, voilà, guitare parce que bon je fais de la musique. Donc du coup... petit livre de guitare, très basique. J'ai changé le sol, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est plutôt simple. C'est maintenant que je viens de remarquer, j'ai pas de placard pour ranger les vêtements. Bon, on peut admettre que c'est des petits coffres que je mets sous le lit, voilà. Bon, hein, c'est déjà bien. Donc, aujourd'hui, on va essayer de... Ah oui, c'est vrai, on avait ça. On va essayer de prévoir pour couper de l'herbe. Donc j'espère que je pourrai couper de l'herbe... Ouais, c'est vrai, il y a de l'herbe à couper ici, donc j'espère que je vais pouvoir couper l'herbe. Alors, vous pouvez désormais concevoir un jardin, rechercher des plantes dans la catégorie jardin dans la boutique. Très bien. Ah, vous avez débloqué un nouvel outil. En utilisant le tuyau d'arrosage, vous pourrez arroser les fleurs, remplir les réservoirs d'eau et nettoyer la saleté extérieure de la maison. Ah, d'accord. Bon, on va peut-être pas pouvoir couper l'herbe pour le moment. Là, va falloir... placer du gravier. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Gravier. D'accord. Bon, bah là, on va déjà enlever toutes les mauvaises herbes. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Bon, voilà, les amis. J'ai fini d'enlever les mauvaises herbes. J'avais même pas remarqué ça, mais c'est joli, ça. On peut... Non, on va pas déplacer, quand même. Bon, ça serait méchant. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? De disperser à la surface du gravier bicolore. Oh. On peut même choisir la taille des graviers et la couleur. On va rester plutôt couleur unie. Mais du coup, il faut l'étaler sur quel type de... Ah, mais sur tout ça. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. En plus, il faut pas dépasser. Enfin bon, on peut dépasser quand même. Voilà. Et en plus, ça coupe l'herbe tout seul. Voilà. Hop. Bon, c'est pas grave si on dépasse un peu, hein. Voilà. Hop, on va pouvoir passer à l'autre partie du jardin. One eternity later. Bon, les amis, je vous ai passé un peu le détail de tout ça, parce que franchement, c'était très long. Oh, c'est joli, en plus, ça brille. Comment ? Ah, voilà, j'ai trouvé le bouton pour se baisser. Oh, ouais, c'est joli, ça brille quand même. Alors, bon... Ici, on nous demande un arbuste conifère. Donc, on va aller le récupérer. Ah, un arbuste conifère. Bah, écoutez, on va mettre celui-là, non? Il coûte cher, quand même. Parce que, arbuste conifère, regardez, c'est pas la même photo que lui. Bon, après, je pense pas qu'il y ait... de problème pour... Oula, ouais, d'accord, il est grand. Eh bah, écoutez, on va le planter, là. Voilà. D'accord. J'espère que ça va être... Oh, ah, il est long à creuser. C'est vrai. Ça aussi, on pourra l'améliorer un peu plus tard. On pourra améliorer la vitesse de creusage. Ouais, ça se dit creusage. Hein. Voilà, trou complètement creusé. On va insérer la plante.
On va recouvrir très rapidement, t'as vu? Tac. Et on arrose. Oh, nouveau point de compétence. Alors, débroussailleuse 2019 pour tondre une plus grande superficie. Eh bien, écoutez, on va mettre ça quand même. Après, il y a la pelle brushie pour creuser plus efficacement. Alors, quoique, vitesse plantée à 80%, ça peut être pas mal. Allez, on va faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande ici? Arbuste conifère, un seul. Eh ben, vous savez quoi? On va mettre la même. Hein. À un moment donné, on va bien la centrer. Ouais, allez, nickel. Ensuite, ici. Encore? Bon, ben, vous savez quoi? On va remettre la même. Voilà, comme ça, au moins, on n'est pas très compliqué. Il est mal placé. Voilà, par ici, ça peut être pas mal. Et ici, pareil, un arbuste conifère. Youpi, ça, on connaît l'astuce. Hop, voilà. Bon, on n'est pas très très centré quand même, je trouve. Voilà. Allez, on creuse. Là, on en a jusqu'à demain. 1 hour later. Et on a fini le chantier. Bon, par contre, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on n'a pas eu... Ça fait forêt. Quand tu rentres ici, ça fait un peu forêt, quand même. Mais c'est bien, les conifères, quand même. C'est bien. Oh, la voiture. Allez, on a fini le chantier. Tac, c'est parti. Ouf, on voit plus rien. Ça change un peu, mais on n'y voit plus rien. J'aurais pu mettre des plus petits conifères, quand même. Parce que ça fait grand, quand même. Bon, on a 43 000 euros sur le compte. Oula, tout ça. Il faut enlever les buissons, bunker habitable. Bah écoutez, on va enlever les buissons. Voilà, hein, on va faire ça. Oh, 10 quand même, mail en attente. Ouh, c'est pas beau ça. Ouh, ça c'est pas beau ça. C'est pas du tout joli. Oh, on a débloqué l'outil. Oh yes, ça c'est bien ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ça se coupe pas, ça, comme ça. Hein? Et je suis censé les enlever, ces trucs, quand même. D'accord. Là, par contre, là, j'ai pas bien... On tourne de la pelouse, déjà. On va faire ça. Oh, ah oui. Ah oui, oui, oui. Ouh, ça va être long. Alors, pourquoi il me met 9%? J'ai tendu la pelouse quand même. Ah non, sur la carte, on en a un peu plus. Bon, d'accord. Ouh, j'espère qu'on pourra avoir une meilleure tondeuse, parce que là, je sais pas comment. On peut faire le tour? Ah, mais là aussi, il y a de la pelouse à tondre aussi. On va faire comme ça. Comme ça, on est sûr de pas en louper. Par contre, ça fait mal aux yeux, hein. Je sais pas vous, mais... Oh là là. Allez, tac. Ça, ce côté-là, il est fait. On va courir un peu. Oh, la piscine! Oh, trop stylé! Et voilà, la dernière longueur. Comme ça, on n'aura plus besoin de tondre la pelouse. La pelouse fraîchement tondue d'Hippomoqueur. Oh. Oh, stylé le barbecue. J'aimerais bien le prendre pour chez moi, quand même. Bon, alors. Hé hey. D'accord, donc très bien. Vendre l'objet. Ah, il faut les vendre. Non, pas ça. Ah, c'est pour ça que j'arrivais pas. Quoi, déjà? Ah non, mais parce que je suis à 80%. D'accord. Déplier des rouleaux d'herbe. C'est quoi la grande... On va prendre M. Parce que je sais pas... Ah oui, si, quand même, c'est grand. Ah non, j'aurais peut-être pas dû prendre M, en fait. On va prendre S. Oui, S, c'est largement suffisant. Hop, on va utiliser. Et on va poser la pelouse. On va poser la pelouse des cœurs, mais... Ah, mince. Il faut vraiment que je sois dans le terrain, en fait. M. Allez, M, c'est suffisant. Ah, on a une partie de la pelouse qui est pas faite, là. Dommage. Bon, on la fera après. On va prendre du S. On va se mettre là. Et hop. Voilà. Voilà, comme ça fait une plus belle finition. On va faire la même chose.
vais y arriver, hein. Hop, on va prendre du S aussi. Ah, les amis, je sais pas si chez vous il fait froid, mais en tout cas, là, je suis avec... Ah, je suis toujours dans les conneries, c'est pas vrai. Je suis avec une petite couverture, et même avec ça, bah, j'ai froid. Voilà. Hop. Et la petite finition, on va la faire en petit, hein. Pas besoin d'acheter trop grand. Ah oui, quand même, c'est vraiment petit, hein. Ah non! Oh, mais je suis nul, oh, mais je suis nul. Voilà. Donc ici, c'est fait. Là, ici, on a déplié l'herbe de rouleau sur la surface. On va prendre le M. Hop, on se met là. Et hop, on déplie. Très passionnant, quand même, comme métier. Quoi, déjà? Ah, bah oui. Bon, bah, ça fait déjà plus joli, hein, je trouve. Bon, au moins, on a la tondeuse, donc on va pouvoir couper le gazon chez nous. Hop là. Allons, photographie. Ouais, bon, bah, l'herbe a été coupée, hein, tout simplement. Ouais. Ouais, bon, il nous montre pas vraiment trop l'avant, quoi. Il nous montre plus l'arrière. Bien, les amis, on se retrouve dans la maison. Enfin, pas dans la maison, là, on va du coup se retrouver à l'extérieur. On va prendre notre tondeuse, enfin, notre débroussailleuse pour le moment. Et on va pouvoir tondre une grande partie de la pelouse. Parce que là, on a du job à faire. C'est quoi ce machin, là? Pourquoi ça fait... Bon, je sais pas. Allez, on tend la pelouse. On va tendre le bord. Ah, j'ai de la herbe. J'ai des mauvaises herbes. Ça, j'avais pas vu ça. Y en a là. Voilà. Non, une là, parce que c'est une mauvaise herbe. Voilà. Allez, on continue. Tac. Hop, le poteau. Voilà. Bon. Au moins, on aura fait déjà les contours. Allez, vous savez, hey, ces plantes-là, je vais les vendre. Parce que ça me donne aucune utilité. J'en remettrai d'autres. Des plus belles plantes. Voilà, on va faire le tour de la maison. Oh, en plus, il y a des recoins et tout. Après, on va faire petit à petit. A few moments later. Bien, les amis, on se retrouve ici. Bon, c'était très long. C'était très, 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 très long. J'ai coupé juste cette partie d'herbe, j'ai encore tout ça, j'ai tout l'arrière à faire. Ça va durer je sais pas combien de temps. En plus, j'ai pas encore l'amélioration, parce que si on regarde l'amélioration, il me reste une minute de temps de tonte, deux plantes plantées, 15 mauvaises herbes supprimées, une taupe éliminée. Bon, malheureusement, la taupe, je l'ai pas faite. Mais autrement, voilà, il me reste une minute de temps. On va continuer, puis on va voir ce que ça donne. Allez, on va finir de tondre cette pelouse. On va voir si je peux avoir une autre amélioration... comme par exemple une autre tondeuse, parce que celle-là, je vous avoue que c'est très très long. En plus, il y a une grosse tondeuse hein, dans le jeu, hein, j'aimerais bien la voir. Hein. Je ne l'ai pas encore, hein, le point de compétence pour ça. Allez, bon, on se retrouve dès que j'ai le point de compétence, j'espère. Ah ben, bah voilà, hein, ça n'aura pas duré longtemps. Débroussailleuse 2019. Allez, c'est parti, tac. Oh, ça change. En plus, j'ai l'impression qu'on coupe un peu plus gros. On a une plus grosse coupe. Bon, bah voilà. Du coup, la prochaine truc, c'est quoi? 14 minutes de tonte. Oh, oh là 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 là. Mais ça va être long, 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 long. Ah, les amis, j'ai trouvé une astuce pour tondre plus vite. Je cours. Je cours, du coup, je vais beaucoup plus vite pour tondre. Bon, par contre, c'est plus du tout maniable. Mais voilà, au moins, j'ai déjà fini cette partie. Bon, il me reste encore la grande partie, donc je vais faire ma petite zone de tonte. Voilà, on va faire comme ça. Ah, d'accord. Bon, on va enlever les mauvaises herbes aussi au passage. Tac, tac. Normalement, il n'y en a pas d'autres. S'il y en a là, là, là. Voilà. Bon, les amis, j'espère au moins que cette petite vidéo vous aura plu. On aura rénové une maison, on aura au moins coupé la... Allez, un tiers du jardin. Au niveau pelouse. Et je continuerai hors cam, comme je vous disais. Et je commencerai peut-être une décoration extérieure, histoire de rendre la maison un peu plus attirante. Parce que je vous avoue que dans le quartier, il y a quand même pas mal de belles maisons. Et ben moi, j'ai une maison un peu pourrave. Enfin, elle est quand même bien rénovée. Donc dites-moi si vous la trouvez super, s'il pourrait y avoir de l'amélioration encore à faire. Après, perso, je la trouve super bien, moi, cette maison. Il n'y a rien à redire. Niveau déco,
on est plutôt soft, pas beaucoup de choses, mais c'est suffisant pour pouvoir y vivre. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!